Bonjour et bienvenue, on va faire des rats. Donc on s'est arrêté juste à côté des rats, donc purifier invasion de rats. Mais le combat en fait avec les rats c'est assez spécial et assez dangereux. La dernière fois on avait crafté une torche, je pense qu'on va l'utiliser. Donc ça sera pour Kirik. Le problème c'est que il nous faudrait une deuxième arme en fait. De mêlée, mais on n'en a pas. Ça c'est embêtant. Parce que ça se met en seconde main en fait. Donc du coup pas de bouclier. Mais on aurait pu mettre genre une épée, un bouclier pour lui par exemple. Mais bon, au final ça change pas grand chose peut-être. C'est juste que dans ma tête pour moi le bouclier est quand même important. Mais ouais, pourquoi? Parce que les rats en fait, tout ce qui est putréfié, parce que quand on torche, quand on regarde ça, donc elle fait des dégâts, blablabla. 50% de santé maximum après une unité adjacente en torture, retirer lorsque l'unité se déplace et fait une compétence. Mettre le feu aux chairs infectées. En fait, tout ce qui est infecté prend plus de dégâts avec le feu. Donc c'est intéressant. Par contre, il y a écrit vision. Je sais pas ce que ça fait, vision, en fait. Genre, critique 3%, bon d'accord. Là, ça s'additionne directement, voilà. Mais vision... Du coup, ça veut dire quoi? Est-ce que le déplacement est mieux? Je sais pas ce que ça veut dire, ça, vision. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, maintenant, on n'a plus de bouclier. En tout cas, c'est parti. On est prêt. On y va. Ouais, j'espère que ça va bien se passer. Oh, il y a des cochons, encore. Ça, on s'en fout. Invasion de rats, c'est parti. Alors, invasion de rats, 160, combattre. Alors, c'est assez spécial, hein. Vous allez voir. C'est pas le même de enfin, la même façon que les autres combats. Alors, comment ça se passe, c'est que vous avez la matriarche. Et la matriarche, en fait, à chaque fin de tour, elle va crier. Elle bouge pas, elle attaque pas, je crois bien. Elle va crier. Et elle va appeler des renforts. Et c'est genre 5-6 renforts. Hein. C'est énorme. Bon, après, on a des petits rats. Ils ont pas beaucoup de vie, hein, pour être honnête. Mais après, on va se faire submerger. Mais si on tue la matriarche, tout le monde part. Donc, on gagne. C'est en fait, faut tuer la matriarche pour gagner. Et après, il y a des excroissances comme ça. Pestiférées. Qu'il faut... On peut les détruire. En fait, il y en a 7, là, par exemple. Là, bon, il y a du poison tout autour. Hein. C'est la merde. Mais si on les détruit, on récupère plus de récompenses. Mais bon, faut tout gérer. Faut gérer les choses. Alors honnêtement, les rats vont... Le problème avec les rats, c'est que un dégât cible applique 1 de fièvre. Dégâts subis augmentent de 10%. A chaque fois, il y a de la fièvre. Et plus on en fait, et plus on prend cher en fait. Après, on a organisme pestiféré, cette unité pyrophobie a des dégâts de poison, régénère sa santé à la place. Donc si on fait du poison, ça régénère. Et dégâts subis par contre par le feu est augmenté de 50%. Pour ce qui est de la... Ouais, on peut les regarder comme ça aussi, les cibles, j'avais pas fait attention à ça. Elle est dégueulasse, elle est vraiment dégueulasse. Appel des rats en renfort, le nombre de rats appelés augmente de 1 chaque ronde. Oh putain, ouais, c'est vraiment... Rappeler 7. Ah. Ah ouais, non, c'est vraiment abusé en fait. Même à chaque round, en fait, ça continue, ça augmente quoi, c'est ouf. Donc, ouais. Alors, fais voir un peu comment ça marche. Donc, c'est une ligne comme ça. Intéressant. Donc, on pourrait se mettre là et brûler les 3 par exemple. Enfin, je crois. Enfin, non, peut-être qu'il serait trop loin. Mais brûler les 2 à la limite. Il se met là, par contre, on peut brûler les 3. Mais je préfère commencer sur la matriarche. Honnêtement. Ouais. Commencer sur la matriarche. Et après, on verra. Toi, tu veux te mettre là avec lui. Comme ça, tu auras le cri de ralliement. Il y a celle-là qui est juste à côté d'excroissance. Honnêtement, on pourrait peut-être en faire une. D'excroissance. Les 3 rats, là, ils vont s'occuper de l'ours. L'archer... Parce que je crois qu'il y a des monstres qui apparaissent aussi aux excroissances. Que quand j'avais joué un peu au jeu, j'ai testé ça et je crois que j'ai une bestiole en fait qui a apparu
à côté de l'excroissance. Donc même ça, on peut pas genre envoyer une personne les détruire. Donc on va essayer de les garder un peu tous au même endroit. Et les rats, je sais pas où ils apparaissent. Je sais pas du tout où ils apparaissent. Allez, c'est parti. Je pense qu'on a... Honnêtement, je pense qu'on a une bonne équipe, là. Ça devrait aller. Alors, attendez. On peut faire la charge implacable. En fait, faut tuer le plus de rats possible. Puis après, on peut... si on a de la chance, on peut peut-être s'occuper de l'excroissance. Mais l'excroissance, ça va pas être notre priorité du tout. Je peux me mettre là. Attends, fais voir un peu. 6 mètres. On peut faire ça. Ok. Ralentissement, très bien. C'est toi qui vas jouer. Alors fais voir un peu le feu. Désolé pour le klaxon. C'est... Je joue à la mauvaise heure apparemment. On peut faire ça directement. Donc là on touche deux personnes avec le feu. Brûlure, très bien. Le brûlure, ça va se propager par contre. Dégâts subis, ok. Perd 15% de sa santé maximum, se propage aux unités adjacentes à la fin du tour. Ça, le problème, c'est que si je reste à côté, ça va me brûler en fait. Ça, mon gros problème. Alors, si je dis pas de bêtises, je peux taper la matriarche. Elle va pas m'engager, je crois. Parce qu'elle combat pas. Donc elle va pas m'engager. Ok, très bien. Alors, si je me mets là, je devrais pas prendre de dégâts. Il y a des effets brillants là, je sais pas ce que c'est honnêtement. Fais voir un peu comment ça se passe. Ok, est-ce que maintenant je brûle ou pas? Ok, on a brûlure. Retirer lorsque l'unité se déplace par l'effet d'une compétence. Je sais pas ce que ça veut dire, ça c'est quoi? C'est la charge? Je sais pas ce que c'est. J'ai bien envie d'avoir quelques personnes en fait sur le pétrifié là, putréfié, pestifié, pestiféré, putain, excroissance. Ouh, critique. Pas mal. Blessure pestiférée. Attends, qu'est-ce que ça fait, blessure pestiférée? Cette unité doit être soignée avant le prochain repos, sinon elle sera contaminée. Oh putain. Me dis pas que c'est le moment où on perd notre ours, quoi. Alors, fais voir un peu. Toi, t'es Will. On va se mettre là. Nickel. Ça c'est pour deux tours, protection pendant deux tours.
Là, ce serait bien que... Ouais, non, ils vont pas prendre feu parce que... Il n'y a que elle qui est en feu et les autres ils vont partir en fait. Ah, j'aurais peut-être pas dû placer lui à côté du feu, non? Je sais pas. Bon, ça a pas l'air de faire grand chose pour moi. Alors... Après, les lanciers ils peuvent taper sans être trop proches, donc ça va. Ah, elle, elle peut enlever saignement, brûlure et tout ça. Ok, très bien. Nickel. Toi aussi, tu l'as. Hein. Ok. Donc, du coup, ce que je peux faire... Fureur à tous les alliés. Ok. Alors, elle va prendre du poison, mais l'autre il peut la soigner, donc ça va. Très bien. Après, je peux sortir à chaque fois du poison pour éviter d'en avoir trop, je crois. Oh! Il est à côté, il va brûler, je crois. Ok, l'ours il va s'énerver. Très bien. Ok, elle, elle va appeler des trucs. Il y en a 7 qui vont venir? Oh la vache. Oh merde, un truc là. Brûlure. Il a pris brûlure parce que son tour a passé. Ouh la vache! Donc y a, là, il y a des éboulements. S'abattre et tuer toutes les unités touchées. 40 points de vie. Oh là là, tout ce qu'il y a. C'est très très catastrophique. Hein. Je sais pas si on va pouvoir... détruire ça, ça c'est un rat pestiféré aussi, du coup il a poison, du coup il récupère de la vie. Je sais pas, est-ce qu'on se concentre sur la matière? Bon, elle a déjà plus de, elle a déjà 50 points de vie, hein. C'est pas, ça va, on la tue vite en fait. Protection 2, très bien. Enfin 2, c'est 2 tours. Et maintenant, je fais ça, comme ça je la soigne du poison. Et là, on peut faire... on peut faire... genre ça... Faudrait que elle, elle prenne... Enfin, elle, elle brûle, donc elle va prendre des dégâts. Par contre, faut pas que l'archer, elle prenne trop de dégâts, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, du coup, lui, il devient intéressant, en fait, avec ce... Il devient intéressant pour ça. Je sais pas si on va y arriver avec une excroissance. Cercler.
L'ours tank pour le moment, mais il y a beaucoup de cibles. La tuer, je crois. Non, pas la tuer. Faire mal en tout cas. Et là, je peux me replacer là pour éviter de brûler. Ok, pas mal. Il y en a beaucoup, hein. Je sais pas si on va pouvoir se concentrer sur les... Elle va mourir au prochain tour, je crois. Donc ça va, mais... Je sais pas si on va pouvoir détruire ça, hein. Honnêtement. Moi, je peux m'échapper. Attends, je peux taper et m'échapper, je crois. Hop. Là. Ah, on peut plus une action d'attaque de base. Ah oui, c'est une attaque de base, du coup ça m'enlève le tir. Oh, fais chier, merde. Ah merde, j'ai merdé. Mais je peux pas tirer. Bah, je crois pas qu'on va la détruire, la machin. Blessure pestiférée. Ok, on va se casser d'ici. Et en fait, faut le brûler aussi, en fait. Après, on peut peut-être faire un peu d'expérience. Je crois qu'elle va mourir au prochain tour. Je pourrais jouer encore une personne. On peut peut-être taper un truc et tuer. Putain, j'ai pas de place. Je peux pas... Il y a lui qui est presque mort, mais... Non, lui non plus... Ah non, ça fait pas de critique. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Ah, c'est bon, elle est morte. Ah, le feu aide énormément. Le feu aide énormément. Je regrette pas d'avoir pris le feu. Puissance et pouvoir, avantage maximum, point de bravoure augmenté. On a eu cuir pestiféré, des crocs, une carcasse et un cerveau infesté. Mais on n'a pas eu énormément de récompenses. Tout réparer, non, continuer. De fabriquer du lutrin, mystère et sagesse, ok. Bon, il faut rentrer. Il faut rentrer. Par contre, il faut qu'on se soigne et j'ai peur qu'on n'y arrive pas à temps. Il faut aller à Storm Cap. Alors, je sais que les remèdes, en fait, ils ont que 20% de chance de fonctionner. Et ça, c'est un problème. Quand on a le truc pestiféré, là. Ah, on va peut-être y arriver. Et je crois que si on se soigne à la... au camp, on est bon. Je sais pas ce que c'est, ça me fait peur, ça. J'y vais pas, on dirait des esprits ou je sais pas quoi. On va peut-être y arriver. Hein. Je voudrais pas perdre... Parce que là, il y a deux personnes qui sont contaminées, en fait. Et je voudrais vraiment pas perdre mes deux, quoi. Enfin, surtout l'ours. L'ours, il est vraiment unique.
On a eu de la chance de récupérer un ours dès le début. Mais ouais, on peut. Faudra peut-être mieux jouer, faudra peut-être plus de gens avec des dégâts de zone. Plus de gens avec des dégâts de zone, ça devrait mieux se passer. Au final, bah, notre pote qui a des dégâts de zone, c'est vrai que j'avoue que ça aide. Ça aide beaucoup. Ok, on arrive à la ville, ça va. Alors toi, est-ce que tu peux nous soigner? Très important. Soigner les blessures communes aux compagnons. Ok, tu peux pas soigner apparemment. Attends, je vais voir. Que je te... Alors toi. Alors, cette unité doit être soignée avant le prochain repos, sinon elle sera contaminée. Je sais pas ce que c'est la contamination. Soigner 25% de chance de marché. Et après, il y en a une autre aussi, à toi. Il y a un Menefai. Je crois qu'ils doivent manger que de la viande après, ou ils deviennent fous, des trucs comme ça, ils ont la rage, j'en sais rien. Mais du coup, on peut pas se soigner à la... Oh bah merde alors. Attends, remède contre la peste. Capable de guérir une blessure pestiférée. Ah, la fièvre récupérée après usage. 59 pièces. Ça fait cher, ça fait très cher. Les scientifiques d'Alazar. Ok, ça marche. Ah, ça fait chier qu'on en ait deux, hein, qui soient malades. Est-ce qu'on aurait, est-ce qu'on pourrait pas... non, tout le monde est pris, hein. Tout le monde est pris pour les métiers. Je peux pas vraiment faire d'alchimie moi-même. On va devoir payer. Je crois qu'on va devoir payer. Parce que je crois pas que... Qu'on puisse se soigner du tout. Mais genre du tout, du tout. Après, 25% de chance. Enfin ouais, non. C'est une chance sur 4. Je vais pas tenter. Hein. Je vais pas tenter une chance sur 4. Parce que sinon, bah, on risque d'utiliser tous nos fioles. Collecter la prime... Très bien. Difficile, accepter, moyen, accepter. Apporter ce message à l'informateur d'Acortia. Ok. Ah, on peut négocier. Attends, ajuster la jauge de négociation pour tenter d'obtenir un meilleur prix du contrat en échange d'influence. Ah d'accord, on utilise 42, genre on va récompense demander 204. Ah. Ouais mais attends, c'est du moyen, il faut, ça va être la merde à faire. Genre, je comprends pas, genre là... Non, mais pourquoi on doit mettre une jauge de... Pourquoi on doit augmenter la jauge de négociation? On devrait pouvoir le faire ou pas, puis basta. Jauge de négociation pour tenter d'obtenir un meilleur prix. Je sais pas. Moi, je veux bien plus d'argent. 42. Alors, la question de l'IMC a accepté votre offre. Ok. Ah, on peut continuer. Si je négocie. Réussi. Si je rate ma négociation, ça fait quoi? Genre, elle annule tout ou pas? Ok. Non, elle a... Si on refuse aux trois missions, avant de bouffer, contre-offre 221. Ah, est-ce qu'elle a baissé un peu le prix ou pas? Non? Je sais pas, j'ai pas fait attention. On va accepter l'offre.
C'est quoi, on aurait dû prendre un truc. On va attendre pour la troisième que ça soit facile. Et on augmentera le prix pour les faciles. Parce qu'augmenter le prix pour les moyennes... Enfin, on va pas faire les difficiles, ça c'est sûr, en tout cas. Bon, on va devoir payer le remède. Deux remèdes, s'il vous plaît, merci. On peut pas payer moins cher, de toute façon. Voilà. Faut qu'on fasse de l'alchimie. Il faut quelqu'un avec nous, en fait. Faut une autre personne avec nous. Alors, se soigner. Avec ça. Très bien. Et notre ours, parce que j'ai pas envie qu'il devienne un zombie. Voilà, je veux pas qu'il devienne un zombie. Ça, on va le garder de côté. On a 80, ça c'est bien. On va aller réparer nos trucs aussi. On va payer pour réparer, ça doit être moins cher. Alors... Ah, ça y est, elle a augmenté. Alors, on a chasse. Bon, c'est toujours de l'équipement léger, ça va. Alors, tir de recul. La cible effectue un déplacement forcé en direction opposée. Après, on a quoi? Attaque. Tuer les animaux alliés adjacents à la cible. L'attaque avec une attaque d'opportunité. Ouh. Elle peut être une dresseuse, parce que nous, on a un ours quand même. Parce que si on n'avait pas d'animaux, d'accord, mais là, on a un ours. Donc, elle peut être... elle peut utiliser ça, c'est pas mal. Tous les animaux alliés adjacents. Donc, en fait, on pourrait avoir plusieurs animaux. Et s'ils sont tous à côté d'une cible, ils vont tous attaquer en même temps. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Après, repousser, ça paraît bien. Enfin, pour l'instant, son arc le fait. Après, barrage. Effectue une attaque d'opportunité contre les trois premiers ennemis qui traversent la zone. Ah, d'accord. On met une zone et on la bloque, quoi. Donc, je pense qu'on va prendre dresseur. Ouais, on va prendre dresseur. Prendre ça. Pas mal. Ouais, dresseur, c'est pas mal, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a gagné d'autre? Ah oui, les cuirs pestiférés. Au toucher, une aura singulière émane de ce cuir. Peut-être que quelqu'un s'en serait tout le tanné. Ouais, ça marche. Bon, au final, je suis content. C'est quand même bien passé, hein, les rats. Hein. C'est juste que, ouais, enfin, payer 120 pièces pour deux remèdes, ça vaut pas le coup, quand même. On a eu... je crois que la récompense a plus ou moins aidé à plus ou moins payer les remèdes, quoi. Et basta. Non, bon, c'est un peu chiant, quand même. Réparer 24. 4. Je veux bien me faire... payer cette fois. Faut qu'on on achète un peu de viande. On peut rien faire, on a pas de bois. Qu'on achète un peu de nourriture et on peut repartir. Un peu de sel, une vingtaine de sel. On va prendre des steaks. Très bien. 3 jours et on n'a pas cuit, hein, on n'a pas cuit les choses. On est bon. Alors là, on a la mission facile. Ah putain, alors là, je... Ok, donc la mission facile. Ouais, on a les plantes et tout ça. Il faut qu'on ait quelqu'un d'autre avec nous, en fait. Ah, pas maintenant, parce qu'on va devoir payer tout le monde bientôt. Mais il nous faut une autre personne. Il faut qu'on ait une personne qui soit genre alchimiste, en fait. Comme ça, on pourra créer des potions et tout. Parce que sinon, on va trop galérer. Après, je crois que si la barre se remplit, je crois qu'on va...
On va perdre des gens, ils vont mourir de fatigue ou un truc comme ça. Je crois que ça marche comme ça. Si votre troupe indique quand il est nécessaire de poser votre camp et de vous reposer, utilisez le feu de camp pour prendre mon repas et quelques heures de sommeil. Ok, stop, stop, stop. Ok, aucun intérêt. Alors. On a un lutrin maintenant. Donc c'est quoi ça? Érudit assigné. Reconstitue des antiquités trouvées dans les tombeaux des anciens pendant le repos. Augmente votre connaissance pendant le repos. Ok. Ça marche. Faut vraiment qu'elle monte de niveau, elle. Toujours à 5 et 5, pas besoin. Toi, porc grillé. 9. Nickel. Quand est-ce que tu montes de niveau, gros? 1. Presque, ça marche. Donc là, on est passé à 3 jours, c'est bien. Du coup. Attends, du coup, on peut peut-être mettre une personne assignée au feu de camp, ça fera plus 1. On peut économiser un peu de bouffe. On va voir plus en fait. Ça fera plus 2, fais voir un peu. Alors. Hop là. Et là on maintient le 15. Pourquoi je veux maintenir le 15? Parce qu'à chaque fois ça fait 15% d'expérience en plus. Je crois que... Ouais, ça à 15 en fait. Que l'expérience en combat est augmentée de 15%. Donc plus on l'augmente, enfin plus on la maintient et plus bah, on va augmenter de niveau quoi, tout simplement, plus vite. Donc ouais, c'est important quoi. Donc là, on va gagner plus 2, parce qu'on a 2 mecs ici. Et on gagne, on est à 26. Si j'enlève ça, ça fait moins 3. Donc, nickel. Ça fait économiser un peu de nourriture. Ils sont heureux, on est toujours à 15. On a 2 points, matériaux bruts, 2, très bien. Nickel. On a toujours 3 jours hein, de nourriture. Qu'on pêche. Non, attends, comment tu le passes? Ouais, alors là, passer pendant la nuit, non, ça ira. On évite les forêts pendant la nuit. Parce que là, je le sens vraiment pas. Ça doit être des, je sais pas, des esprits de la forêt ou des conneries comme ça. Je sens pas. Ça ira. J'avais pas envie de me taper. Ah, ils sont là, je crois. Est-ce qu'on la connaît, cette fille? Ah, est-ce qu'on peut revenir au chantier? Je vais voir. C'est là où on avait miné pour la première fois. Yes. On va parler au mec. À votre Kruger, de toute façon, les deux filles vont me faire bloc. Ok, merci. Ça marche. Nickel. Ah putain, faut vraiment cliquer dessus en fait. C'est pour ça que j'ai dû me louper en fait avec le minerai. Parce que je pensais qu'on cliquait n'importe où, en fait ça allait valider le cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait pas du tout, non non, il faut vraiment cliquer dessus. Ah, fait chier, je viens d'apprendre maintenant. Ok, nickel. Ah là là, je viens d'apprendre ça quoi, putain, c'est vital quoi. Alors on a 67 sur 80, très bien. Ouh,
4 sur 9, très très bien. Allez, on est parti. Ils sont partis où les mecs? Je sais pas si on peut les attraper. Il y a du bois. Les fermes des Lundes. Vas-y, on va leur parler. Bonjour. Alors. Comment ont-ils pu? Nous leur avons opposé aucune résistance, mais ils ont quand même tué notre petite Lucilla. Ça me dit quelque chose. J'ai perdu l'esprit de mon intention. Ok, donc. Attends, mais on te connaît? Côte de loup à la bière. C'est la même histoire, mais c'est à deux fermes différentes. Dégâts critiques augmentés de 20% durent jusqu'au prochain repos. Putain, c'est bien. 14 de nourriture, régime associé de viande. Putain, c'est bien ça. Oh, vente. Putain, faut vraiment qu'on regarde partout. Quoi. Oh, il y a un coffre là. Ou alors c'est la même ferme, mais je me rappelle plus. Ferme de Lund. Je sais pas, on a entendu la même histoire, je sais pas où, non? Ferme prospère, le condamné. J'en sais rien. Je sais pas, on s'en fout. Par contre, il y a des trucs vraiment intéressants. Je sais pas si on devrait pas voler des choses. Un peu. Je sais pas, on va combattre et on va voir un peu. On fait voir. Putain, ils sont autant. Ah mais attends, c'est pas eux. Non, non, eux, ils ont l'air vénères, en fait. Ils ont l'air vénères, c'est qui? Gibier. Coucou. Y'a rien d'autre. Ah, ils sont dans la forêt. Ah, ils sont là. Ah oui, l'ancien phare. Oui, oui, c'est ça. Ça marche. Bon, bah là, du coup, on n'a pas de choix. Ouh, il y a du monde. Truand 2, braconnier 2, maraudeur 2. Libérer l'ancien phare. Attends, il n'y a pas un crâne? C'est marqué facile. Ouh, il y a de l'éclair, ça peut être utile par contre. Ça fait beaucoup de monde. Donc ça c'est quoi? Ok, faut pas être empoisonné, apparemment ça fait des dégâts supplémentaires. Coup critique assuré contre les ennemis empoisonnés. Eh ben putain de merde. C'est lui le chef? Non. Non, il n'y a pas de chef. Il y a deux archers. Il y a un poison. Bon, ceux de l'arrière, ils vont faire mal. Qu'est-ce qu'on a? On a un piège là. On a une lance ici. On a une lance ici. On peut couper ça en deux, mettre l'ours là qui bloquera eux, et on met personne ici. On peut faire un truc comme ça. Après, je voudrais bien pouvoir utiliser l'éclair, mais là c'est des chasseurs en fait. Donc jamais de la vie ils vont s'avancer. Bah l'ours, il peut bloquer le monde ici. Elle est où l'autre? Elle est là. C'est qui joue en premier, c'est toi. Ah, c'est chaud, hein.
Est-ce que j'ai bougé au dernier moment? C'est ça? J'aurais dû mettre affaiblissement sur lui. Là, on a que 4 points. Oula, ça va être compliqué. Je pensais... T'es sérieux? On va en chier. On va en chier. Après, je peux demander à l'ours d'attaquer, mais il attaque ce qui est adjacent, on est d'accord. On attaque avec une attaque pointue. Adjacent, ok. Toi, t'as pas la portée. Ok. Très bien. Pas mal. Ok, eux ils vont être bloqués par l'ours, donc à la limite ça va. Très bien. Yes, ok. Ça, l'ours il va pas pouvoir se faire empoisonner parce que lui il est occupé. Par contre, il faut s'occuper de lui en fait. C'est qu'il faut s'occuper de lui en fait. Ah, je me suis pris le piège. Ah, faut que je réfléchisse plus, que j'analyse plus, que je fasse attention. Celle-là, elle prend cher pour pas grand-chose en fait. Ok, les autres ils se gênent l'un l'autre, ça c'est très bien. Ok, les deux qui jouent c'est eux. Ah mais attends, c'est qui va jouer? Je peux pas parce que si je tire sur lui, ça va le désengager. Je préfère qu'il reste engagé avec le avec l'ennemi en fait, avec notre tank pardon. Putain, j'aurais dû peut-être... Oh c'est pas grave. C'est fait maintenant. Ah, ça va être un combat ouf quand même. Elle est empoisonnée, on pourrait la soigner. Il
problème, c'est que je peux pas vraiment les pousser. Il y a lui, peut-être que je peux pousser vers. Vers le. Vers l'éclair. Faut que je la soigne, Méné, là. Absolument que je la soigne. On est d'accord que toi, dégâts augmentent de 10% si adjacent à un allié au combat. Okay. Ouais, 13. Oh yes! Bien joué! Que ça va le pousser suffisamment pour qu'il aille dans la zone, c'est ça la question. À la limite, je peux tuer quelqu'un en fait, à la place. Faut quand même peut-être penser à aider l'ours après, en second plan. On verra ça après. Ah, oh, lui je peux me le faire par contre. Ouais, mais lui il va jouer avant l'éclair. C'est un problème ça. Lui je crois pas qu'on va le pousser en fait assez loin. On peut voir un peu. C'est une demi-case. Je sais pas. Je sais pas, je crois pas. Honnêtement, je dirais que non. Par contre, lui, je dirais peut-être, mais il faudrait qu'il reste dans la zone. Lui, oui. Mais lui, il faut pas qu'il bouge, du coup. Yes, nickel, nickel, très bien. Bien joué. Vous êtes vraiment bon. Oh, là, il faut pas qu'il empoisonne. Oh! Il l'a empoisonné? Ok, là, ils vont faire que des critiques, par contre. Il va falloir aller l'aider. Pas encore l'aider hein, après pour pouvoir le soigner. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le tank à jouer, c'est tout. Nickel, très bien. Où est-ce que tu vas te mettre? Yes! Tu vas tuer ton pote! Oh putain, oh la chance! Voilà, oh, vache, t'as bien visé, mec. Sauf que. Voilà. Sauf que voilà, mec. Donc, on va aller aider notre copain. Très bien. Il est toujours furieux. Yes, il y a toujours fureur et tout ça. On va se mettre là, comme ça on va pas se faire toucher. Et on va faire ça. Ok, nickel.
Par contre, toi, t'es engagé avec personne, donc du coup, ça peut être un problème. On va se mettre là. Je veux que le... Il tanque toujours, en fait, le machin, l'ours, mais... Oh putain, j'avais pas pensé à ça. Attends, toi tu peux tuer. Ça nous fait un point. Très bien. Bon, ça coûte un peu cher. Hein, mais... Nickel. Ça va, il prend moins cher. Ceci, s'il tape comme ça et qu'ils font quand même des critiques, genre une 20-20-20, honnêtement, le truc il va pas durer longtemps non plus. Faut pas exagérer, c'est pas un dieu, c'est un ours. Pas aller, non? Okay. Alors, est-ce que tu peux... Faudrait lui avoir... Faudrait qu'elle ait plus de déplacement. Ah, attends, tu peux faire attaque. Non. Pourquoi ça n'a pas marché? Les animaux alliés adjacents à la cible attaque avec une attaque de proximité. Parce qu'il n'est pas dans la zone en fait. Ce genre on peut le cibler en disant d'attaquer, mais il faut être, faut qu'il soit dans la zone, je crois. Donc, un point pour rien. Ta 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 ta. Nickel. Quel idiot. Je me suis engagé. Il fallait pas que je m'engage en fait. Oh la vache. On peut l'attraper lui. Il nécessite des chaînes. Ah, ok. Non, on a que des cordes, on n'a pas de chaînes. Ça marche. Tiens. T'apprendras à toucher à l'ours. Ah, il nous faudrait des chaînes pour attraper des gens. Ouh, Aubert des hors-la-loi. Armure intermédiaire, cool. Ça va, ça vaut le coup. Oh, oh la vache, voilà, c'est tombé, c'est bon quoi. C'est bon, on avait pas besoin. Venez de terminer la mission, libérer l'ancien phare, retournez voir. Okay. Oh, ça c'est le phare du coup. Est-ce qu'il y a des trucs? Ok, verrouillé. Ah ouais, mais du coup on a plus de crochetage. Est-ce que toi, alors lui il a commencé à faire la cuisine, elle la pêche, donc les deux on peut pas. Mineur pareil, bricoleur pareil, forgeron pareil. Donc il nous faut absolument une personne de plus. Ouais, il nous faut absolument une personne de plus. Ça marche, y a rien d'autre.
Attends. Crocheter. Ouais, crocheter. Il y a deux coffres à crocheter ici au phare. Ok. Merde. Ah, bon, ça c'est bien. 140 à prendre. Ça va, c'était sympa. Oh la vache. Après là, on peut aller voir le chef. Il faut qu'on voit si on peut. On peut se mettre là. Danger, il n'y a pas de danger, ça marche. Alors, fabriquer, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pourrais tester pour la marmite, ouais, mais il faut. Non, mais il faudra un marmiton assigné. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup en fait d'en faire un deuxième. Bon, on a une armure. Donc, c'est de l'intermédiaire. Donc lui, il peut prendre de l'intermédiaire. Donc mouvement, il perd en mouvement. Par contre, il y a 20 armures, garde 12 et critique plus 2%. Ouh, c'est oh, c'est stylé. C'est stylé. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de détails, en fait, sur les armures et tout ça, honnêtement. Vraiment beaucoup de détails, je suis content. Donc il y a le bouclier à réparer, si on veut. Donc ça, c'est Jacques niveau 2. Donc peut-être que... Armure 13, armure 13. Non, toi aussi t'as du jack. Toi non. Ouais, mais toi tu peux pas porter... Ah, bah voilà. Alors, du coup, elle, on avait pris... Faudrait pas faire les deux. Les mêmes. Alors, des cris de ralliement. Et oui, on peut faire... alors toi t'es le mec qui est un peu solo en fait, qui va solo. Donc les murs de lance, bof, je pense pas que ça soit très utile. Par contre le G incapacitant, je pense que ça peut être intéressant. Donc lui ça va être un harponneur lui. Lui ça va être un harponneur. Maintenant, on lui met ça. Ils sont bien nos fermiers hein, quand même. Ils évoluent bien, moi je suis content. Armure 11, c'est la même chose. Armure 13, mouvement 2. Armure 8, est-ce que tu peux mettre ça? Armure 11. Armure... Ok, très bien. Est-ce qu'on répare? Réparer 2. Réparer 2. Je sais pas si ça vaut le coup. Il faut en 5 pour tout réparer. Bon, après, on va en crafter 2, quoi. C'est pas très grave. Parce qu'on est loin, en fait, du camp. Enfin, de la ville. Donc, peut-être qu'on va faire d'autres combats entre-temps. Donc, là, je crois pas qu'on ait quelque chose à faire. Non. Je pensais que la mission serait facile, mais honnêtement, c'était un peu difficile. J'avoue. On a 0 sur 9. Est-ce qu'on met une deuxième personne là-dedans? Non, on devrait se débrouiller comme ça. Je voudrais bien, honnêtement, récupérer une nouvelle personne. Je vais être franc. Oui, tiens, la carcasse est chère. Là, des restes d'animaux. Je sais pas si on peut en faire quelque chose de la carcasse, en fait. On a combien de personnes? 2. Hop là, très bien. On est d'accord, donc on aura plus 2 et là moins 2. Hein. C'est bien ce que je fasse pas de conneries. Ouais, on garde un peu de viande de côté. Ça marche. La nourriture. Ok,
ducal. Oh. Parfois, j'aimerais qu'on s'arrête dans une région et qu'on n'en bouge plus, qu'on devienne les mercenaires du coin, qu'on ait un foyer, des attaches. Je suis fatigué de ne jamais m'arrêter. Oh, le mec, tu vas pas faire chier. Ronchonner toute la journée. Il va avoir boudeur, le statut de boudeur. Super. Allez, allez, ça lui irait bien, je pense. Mais je sais pas ce que ça veut dire, le statut de boudeur. Genre, c'est un debuff ou alors c'est un truc qu'il va avoir tout le temps? Comment ça se passe? Célébrer cette aventure avec les autres. Ah. On aurait 30 d'influence, c'est pas mal. Suggéré par Will de Lien, ok. Moins on va exprimer ses craintes aux autres. Non, sur, ouais, non, c'est suggéré par l'autre en fait. Donc célébrer. Hop là, 30. Non, c'est bien comme ça. Tout va bien. Tout va bien. Allez, on continue. Alors, on peut aller voir la personne avec qui on doit parler. Apparemment, c'est le chef des réfugiés ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc on peut voir ça. On est à zéro en soupçon. On peut peut-être... Oh la vache. C'est qui eux? Ils ont l'air méchants. Ils ont l'air nombreux surtout. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chef? La progression des coups infidèles. Wow, ok. Ah, ils ont tué tout le monde au moulin, quoi. Attends, d'abord on loot. Du blé, yes. Respecter. Oh, yes. Ouais, mais ils ont l'air vénères, les autres. Hein. Connaissance, plus sain. Ouvrage traitant les techniques de travail. Ils ont l'air vraiment vénères, hein, ceux d'ici. Moi, je vais partir. Hein. Je vais pas rester. Hein. Parlez. Il a tué tout le monde. Un fou furieux. Je suis blessé. Aidez-moi. Le soigner. L'achever. Obtient 50 et 10. Fais chier. Qu'est-ce qu'on fait? On l'aide? Vas-y. Merci de ne pas croire que Ricky se soit servi de nous comme Mappa. C'était lui le responsable, pas nous. D'accord. S'il n'avait pas tué la petite fille pour lui prendre son collier, le père ne serait même pas défendu et mes compagnons seraient encore en vie. Quoi? Prenez-moi avec vous, j'ai des comptes à régler avec ce traître de Ricky. Alors attends, là on a aidé un mec qui fait partie des bandits en fait, qui ont tué la petite fille. C'est ça? Oh, c'est bordel. Enfin, après, on a besoin de quelqu'un. Et là, du coup, le mec, il nous rejoint, en fait. Genre, sans payer. Bon. On va rejoindre votre équipe. Le compagnon le trouve sympathique. Ok. Et t'es un hors-la-loi. T'es un voleur, en plus. C'est parfait. Sanguinaire, il est agile aussi. Quoi? Armure 5. Prends ça, armure 8. Ah. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il va rester avec nous par contre? C'est la question. Le voleur, Dex. Alors. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a déjà mouvement. Ouais, mouvement, c'est vachement intéressant. Et de la Dex. Très bien. Alors, après, bon, on a les systèmes avec les points, là, spécialisation. Après, il y a quoi? Il y a égorgeur, dégâts, embuscade. Effectue deux attaques supplémentaires en embuscade. Se déclenche quand cette unité attaque par derrière un ennemi engagé. Ouh, ça, c'est intéressant. Prendre un écran de fumée, force les ennemis engagés dans la zone à se désengager et subissent une attaque d'opportunité de leur adversaire.
Ça, c'est pas mal. Ça, je l'ai vu en stream, ça. En fait, ça fait une zone autour de soi, donc zone de 10 mètres. Et si vous avez genre, imaginons il y a 3 ennemis et vous avez 3 de vos mecs en fait qui sont engagés sur chaque ennemi, l'écran de fumée va les désengager automatiquement, mais les mecs ils vont se prendre des attaques automatiques en fait. Donc l'écran de fumée en fait est vraiment très puissant. Ça force en fait vos compagnons à attaquer, c'est ça le truc. C'est un peu comme genre Warring God avec le sifflement là pour faire attaquer l'ours. Elle oblige l'ours à attaquer en fait. Et ben là ça oblige vos amis à attaquer. Donc ça fait une attaque supplémentaire, c'est pas mal. Applique 3 de poison à toutes les unités dans la zone. Un poison c'est pas mal aussi. Après qu'est-ce qu'on a? Chaque fois que cette unité attaque dans le dos, elle applique 2 de poison. Là, on a quoi? Après avoir utilisé une compétence, j'ai 3 de dégâts à l'ennemi le plus proche dans un rayon de 4 mètres. Contre âme mortelle au début de chaque round, applique fragilité à l'ennemi le plus proche pendant un round. Double les poisons à toutes les unités dans la zone au début du tour suivant. Applique aveuglement à tous les ennemis dans la zone, sa constante chance de manquer sa prochaine attaque. Dégâts des attaques dans le dos augmentent de 20%. Ah, on peut faire un truc intéressant. Hein. 100% de chance de ne pas se faire engager, d'effectuer une attaque de portée vers l'attaque. L'unité peut passer à travers toutes les unités. Ouh, ça c'est bien ça. Ah, c'est. Tout est intéressant. Hein. Ah, les habilités qui coûtent 2 points, c'est chiant quand même. L'empoisonnement, c'est intéressant aussi. Ta dague, elle fait empoison. Ça fait poison ou pas? 30% de chaud, coup critique supplémentaire. Déclenche pas si l'attaque par la engagée. Course. Si on prend stratège. Le mec, il va pas tuer lui. Vous voyez ce que je veux dire? Après avoir utilisé une compétence, ça inflige 3 de dégâts à l'ennemi le plus proche. Ah, du coup, ça, on fait quoi? Parce qu'un stratège, lui, du coup, on va plutôt le jouer à côté des gens. Enfin, il va pas tuer, en tout cas. C'est pas lui qui va tuer. Après, on se le met à côté d'un allié ou d'un ennemi, en fait. Là, je dirais à côté des ennemis. Et après on prend stratège. Un écran de fumée c'est vraiment pas mal. Hein. Bon bah du coup on a gagné un mec supplémentaire gratuit en fait. Bon par contre je vais pas me taper les mecs là. Hein. Désolé mais je sais pas si c'est lui ton pote là mais allez, on verra plus tard. Hein. Bon du coup on peut retourner au moulin. Attends c'était où le moulin? Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que les machins ils vont pas nous attaquer. Il y a un truc, hein. Il y a des trucs la nuit, hein, dans les forêts. On verra quand on sera un peu plus haut niveau. Par contre, maintenant, c'est 122. Ouais, 122 d'argent, putain. Chien. Crochet perdu, let's go. Oh putain, c'est 3 trucs. Oh là là. Ok, 1. 2. Mets-moi ça. Yeah, let's go. Cool.
Nickel. J'aime bien le jeu, c'est un peu différent de... C'est un peu la même chose, mais c'est un peu quand même différent de la Skyrim et tout ça. J'aime bien. Ah oui, c'est vrai qu'on a gagné des trucs. Oh la vache. Alors, attendez, d'abord, faut que je regarde cette armure. Donc, combinaison de la Légion. Armure 28. Alors, fais voir un peu. Là, on a quoi? 20, 12 et 2. Là, c'est 28, 14. Transport 5. Donc, on peut te mettre ça. Oh, c'est stylé. Ça tue. Ça tue. Ah, mais qui c'est qui peut mettre l'intermédiaire après? Ok, toi. Très bien. Toi aussi, non? Bah oui. Je sais pas pourquoi ça a pas voulu la prendre. Armure 13, mouvement 2. Toi, tu peux faire les armures lourdes. Toi, il te faudrait des armures lourdes. Ah, très bien. Voilà, nickel. Hop là, voilà, très bien. Tout le monde s'y retrouve. Là, on a quoi? Un simple regard envers ce chapelet de plumes donne l'impression de voler. Portée plus 1. C'est quoi la portée? Déplacement. Je vois aucune stat qui change. Je sais pas ce que c'est porté pour ça. Les tirs, peut-être. Est-ce que ça serait pas mieux sur lui pour ça, pour le javelot là, non? J'en sais rien. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Un poulet. Ok, on a ça. Connaissance plus 1. Lire. Moi, je t'attends les techniques de travail anciennes. Rapport militaire. Petit carnet au bord. Ah, donc on lit les deux et ça nous fait connaissance plus 1 à chaque fois. Recette. Toi, t'es marmion quoi? Novice. Dire le rapport militaire. Oui. Vous avez obtenu 1. Donc, du coup, là, on a 2. 2 points. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, vous pouvez dépenser l'influence, rajouter 1. Ça, c'est pas mal. Ça nous ferait 2 points. Et on peut choisir, en fait. Donc, ça, les matériaux de réparation, 5 points d'armure supplémentaires. Transport augmenté. Vitesse de déplacement dans le monde. Sol versé aux compagnons réduit de 10%. Ça m'intéresse. On demande le nombre de contrats affichés. Coût de recrutement des compagnons, non. Cannibalisme. Je vais peut-être aller voir ce que ça fait cannibalisme maintenant. Je vais faire une petite pause, je reviens. Je vais aller voir ce que ça fait cannibalisme. Ok, donc je suis de retour. Alors j'ai regardé cannibalisme. Donc apparemment il n'y a pas vraiment de problème en fait avec cannibalisme. Il n'y a pas de mauvaise chose. C'est juste que bah, ça vous permet de manger les corps pour 1. Ça fait 1. C'est comme une carcasse en fait. Une carcasse d'animaux et tout ça. C'est seulement 1. Et ça fait de la viande. Et voilà. Donc ça ferait de la nourriture gratuite. Mais c'est tout le temps 1. Par contre les corps évidemment bah, c'est lourd. Le problème c'est que c'est très lourd. Donc, trimballer des corps, c'est pas vraiment bien. Parce que vous pouvez pas, parce qu'honnêtement, là, on est quand même très très haut en poids. Donc, c'est peut-être pas très très intéressant pour le moment pour nous. Mais peut-être plus tard, ce sera intéressant. On a du blé maintenant, on peut faire du pain. On peut prendre de la viande. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est quoi? Rondage en fer plaqué. Fossile de lancer. Compétence lance de fossile. Tiens, à lui, est-ce qu'on peut lui mettre la torche? Ah, intéressant. Critique plus 3%.
Ah, du coup, il est torché la dague. Après, je crois qu'on peut lui mettre un bouclier aussi. Je crois que les boucliers, ils ont pas de classe. Hein. Attendez, on va regarder. Ah, Eckhart ne peut pas équiper de bouclier. Ah non, non, ils ont quand même une certaine classe. Ok. Lui garde, on peut lui laisser la torche. Du coup, ce qu'on peut faire aussi, en fait, c'est je voulais voir pour lui laisser la torche pour ça, en fait. La faucille de lancer. On peut faire ça. À chaque fois, c'est quoi? C'est 4 métal, 2 de bois et 1 de cuir. Donc, garde plus 5%, compétence, lance de faucille, inflige 20 à 70% de dégâts à la cible, à l'impact, à 30% de chance de générer un malus aléatoire à la cible. Tire 6 mètres. Intéressant. On pourrait crafter ça en fait à chaque fois pour lui, ça en fait 4, mais bon, c'est des consommables. Je pense que pour le moment, on va faire ça. Solverse au component réduit de 10%. Voilà, fais voir un peu 122. Fais voir maintenant, c'est toujours à 122. C'est toujours à 122. Les compagnons fouillent les cadavres ennemis dans les endroits les plus farfelus pour trouver des crowns. Gain de crown après un combat augmente de 5%. Alors c'est peut-être la prochaine paye en fait. On va voir si c'est toujours 122. Action de points de bravoure est augmentée d'un, ça c'est bien augmenté le nombre de contrats. Coût des recrutements des compagnons réduit, non ça on s'en fout, je vous sens celui de plus vite. Orientation. La restauration, ça peut être intéressant. Je sais que le poids aussi, ça peut être bien, mais je pense que pour le moment, la restauration, ça peut être intéressant. On en consommerait moins. Météor, récupère, 5... Ouais, encore 5 de plus, quoi. Maintenant, c'est 15 au lieu de 10. Ça, c'est très bien, je pense. Après, on a un autre livre. On peut les vendre aussi, les livres. Connaissance, plus ça. Hop là. Point. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait les lancers, les couteaux de lancer ou pas? Là on n'a rien à apprendre ici. J'aime bien pour l'argent honnêtement. Compagnons sont prêts. Ah, ou alors le plan de carrière. Ah, je sais pas vraiment en fait. Quoi faire. Je pense que ouais, les faucilles ça peut être intéressant. Ça nous ferait un truc à crafter en plus. Comme ça, ça nous permet de faire de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a des objets. Ou alors, je sais pas, c'est des objets normaux. C'est juste qu'il y a. Il y a des sortes. Oh la vache! Ouais, mais c'est des loups fantômes en fait. Je crois. Je crois que c'est des loups fantômes. Où est-ce qu'on va là? Là plutôt. Ah, mais je peux pas passer dans la forêt. Ça va être la merde. Attends. Bon, je peux prendre le bois et après on reprend la course. Quand je dois payer dans 7 heures. Ok, ça marche. On va rentrer, on va se faire payer. Parce que sinon, on va avoir des problèmes avec les gens. Je pense qu'on va commencer un peu à voler les gens. Hein. Il nous faut un peu plus de ressources. Mine de sel. On est déjà allé là. Hein. Ouais, ok.
Ah, est-ce qu'on le vole? Je vais voir un peu ce qu'est-ce qu'il y a volé. Du sel. C'est une mine de sel, il y a du sel à voler. Ah, j'ai envie de dire. Normal. C'est des réfugiés. Ouh, c'est quoi ça? Ah, c'est des cochons. Un cochon sauvage. Ah, 113. Ok, ça a baissé. C'est pas 122, c'est 113. Solde du 113. Ok, ça marche. Ça va. On va rentrer, on se fait payer. Plus on va devoir se reposer. Très bien. Ah, c'était limite là. Hein. Un peu compliqué. Alors, accepté, facile. Tour du Mont Altier est devenu un lieu dangereux depuis que les bandits s'en sont emparés. Il est grand temps de les déloger, en fait, hein, bien sûr. Ok, ça a l'air simple. Ferait... On a 4... Ah, après, on a plus 100%, en fait. 209 au lieu de 145. C'est pas mal. Ok, nickel. Elle est pas très loin, en plus. Après, c'est difficile, on va pas le prendre. Ok, très bien. La forge, si on peut pas crafter un peu des choses. Attends, on a des trucs à vendre, je crois. Ça, ça. Très bien, on va pouvoir faire du pain. Alors, faut aussi de lancer. Bon, faut pas se louper cette fois, par contre. Bon, j'ai oui. Ah ok, je pensais aussi. C'est juste pour ce qui est des armures et des armes principales ou des boucliers, là oui, là on doit faire le mini-jeu, mais là non. Ok, très bien. Donc du coup, à Kert, on peut te mettre ça. Voilà. Ouais, si, c'est bon, ça marche. Donc ta dague et la dague de lancer. Ok, les lancers, tu peux le faire une fois par tour et... Tant que t'en as, en fait, ça marche quoi. Ok, très bien, parfait. Le marché. On va prendre un peu de sel. Ah, tu vends des anguilles maintenant. Tu vends plus les tranches de porc là. Ok. Ça, on garde de côté. C'est quoi le rat? Hein? Ok. Je crois qu'on n'a plus rien à cuire en fait. Enfin, on peut faire du pain. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, 6 pains. Et après, on n'a pas les recettes pour faire genre des brochets et tout ça. Par contre, faut qu'on aille pêcher, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché. On a encore 240. On a 3 jours de vivres et j'ai pas fait les pains encore. Les pains, en plus, c'est du sel et du blé, donc ils sont même pas comptés. C'est pas comme si c'était genre... un aliment cru et un aliment cuit. Donc là, ils sont même pas comptés dedans encore. Donc ça va. Ça va, on doit peut-être avoir presque 4 jours.
Bon, par contre, il nous faudrait toujours une personne de plus pour l'alchimie et je pense qu'après on est bon. Ouais. Après on sera bon. On va camper. Je crois qu'on va s'arrêter là. Alors. Toi, t'as 4 mètres. Ouais, ça économiserait. Enfin, non, on va mettre des tentes. Je comprends pas pourquoi ils sont mis comme ça. C'est pas très beau en fait, ça se met comme ça. Je peux même pas les tourner. Je peux que les tourner que là. Et après, hop. Ça n'a pas trop de sens en fait. Le coup de se mettre comme ça. Devant la tente. Là, ça me. Juste le truc qui me gêne, c'est ça quoi. Alors, toi. Là, on a crafté. Même son pêche, on a toujours 5. On a 23 de métal, c'est très bien. 5, 7, très bien. Donc, toi. Du coup, les pains, ils sont à combien? C'est 0,4 le pain. Ça, le blé, c'est quoi? C'est 0,3. Le sel, c'est 0,3 aussi. Mais c'est 0,3 lin. Parce que si je fais du pain, ça va augmenter le poids ou pas? C'est ça ma question, en fait. Bon, on est à 79,1. Non, ça va, on baisse. Ok, ça marche. On peut faire le... Nickel. Nickel. On n'a pas autre chose à faire. Ok, ça marche. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On en met deux à la tente et deux au truc, donc ça fait deux de bonheur. 126 de bonheur. Après, je pourrais essayer d'augmenter le bonheur au max. Enfin, dépasser les 15 pour pouvoir récupérer de l'influence. Mais bon, pour le moment, on n'a pas vraiment trop besoin. Bon, il nous faut un. On a de la viande. Ouais, de la viande cuite, ça marche. Donc on en met un. On peut mettre les pains. Donc plus 2 avec le campement et on a moins 2, très bien. Comme ça on économise. Ah oui, il faut qu'on paye aussi. Nickel. Bon ben voilà. Ah, on commence à être un peu... Bah, non, ça c'est pas limite, genre on a des problèmes quoi que ce soit, mais voilà, faut quand même rester à l'affût, faire attention. Alors, structuré, vous pouvez désormais nommer un lieutenant parmi vos compagnons. Un lieutenant? Ça sert à quoi? Donc toi, t'es le capitaine. Donc toi, t'es le chef de l'équipe. Maintenant, on met un lieutenant. Nommer lieutenant. Ah, il faut 100. D'accord. Bon, bah, on va attendre. Je sais pas à qui on pourrait mettre le lieutenant. Je pense à Will, ça pourrait être le lieutenant. Ou Méné, parce que c'est vrai qu'elle elle fait du très bon aussi. Enfin, les 4 de base font du très bon. Elle, peut-être un peu moins, mais. Je sais pas. L'ours. Le poney. Le poney en lieutenant. Ça peut être pas mal, hein. Ça va être pas mal. J'espère que quand le jeu sortira, ils feront en sorte que genre toutes les sacoches et tout ça, ça se voit. Ce serait tellement classe en fait d'avoir un ours avec des sacoches et tout, ce serait marrant.
Là, pareil, en fait, que ça soit customisé et tout, ce serait vraiment cool. Je serais vraiment content de ça. Je suis content qu'on annonce depuis le début. J'ai jamais eu ça, en fait. Ça tue. Ça marche tellement bien, quoi. Bon, après, c'est comme j'ai dit, hein, c'est compliqué, la nourriture. Hein. Bon, là, on a trouvé une technique pour un peu économiser et tout, donc ça va. Mais ça demande du... Ouais, ça demande. Ça demande. Je sais pas si on va avoir d'autres animaux, honnêtement. Parce que l'ours, il coûte cher. 12. Ah, les gens, c'est minimum 3, maximum 4 s'ils sont gloutons. L'ours, on passe à 12, quoi. Le poney, c'est déjà 6. Ah, c'est 12, quoi. Ça fait un peu chier. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. À la prochaine, on fera la tour pour 209 pièces d'or. Donc ça va être bien. Après, on a là-bas, là, c'est super loin pour 221, mais c'est moyen. Ça fait un peu peur. Mais il va falloir bien avancer à un moment ou à un autre. Mais bon, déjà 209, là, c'est cool. On va faire ça la prochaine fois. À la prochaine, ciao.